Alors qu'un élémentaire de foudre. Oh, y a des coffres là. Alors lui, il sort de terre. Quoi. Penelo qui est mon... Alors peut-être pas le meilleur DPS, parce que DPS c'est dégâts par seconde, et comme ça prend plus de temps à charger, certainement pas elle la meilleure, mais... elle fait mal quoi. T'es occupé de me dire que là le chapeau que j'ai acheté... Et elle, elle peut pas le mettre parce que elle a pas le permis. Bon, ni que la deuxième impulsion, je préfère grandement qu'elle puisse mettre du stuff. Oh, et du coup, j'ai débloqué un truc là-bas grâce à férocité. Ouais, je peux avoir un bonus de magie, trop bien. Ok, ça c'est très cool ce système nouveau du coup, hein, qui était pas dans l'ancien. Qu'avant on n'avait qu'un seul et même grand damier et pas de système de job, et donc on pouvait très bien s'équiper de fusil, que de hache, que de dague en même temps quoi. Alors c'était débile de faire ça, mais... BAM! En fait là elle est à la chasse, Penelo. Elle est là avec son fusil, elle vise et BAM! Headshot. Ah, un piège. Une petite nécrose. La puissance du bordel. Attention. Wow. Je peux pas aller dans le piège. D'eau et une éponge, trop bien. Waouh, waouh. Oh, l'élémentaire là, il est vénère de ouf. En vrai, je suis complètement con. J'ai une mage noire, vulnérabilité, le feu, très bien. Ok, why not. Quoi? Attendez, 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 attendez. Parce que lui, il m'a pris en chasse là. Il fait foudre 3. Il va one-shot mon équipe. Ah, j'étais chaud pour tuer les grenouilles, même si elles étaient 3. Mais par contre, l'élémentaire énorme, non. C'est un non. Ah bravo, j'avais oublié que ce village était abandonné pendant la saison des pluies. Je ne suis qu'un sombre idiot, Cupo. Mon ami dit qu'il a vu un homme à l'air triste près de l'enclos, mais moi je ne le vois nulle part. C'est à croire que la fatigue le fait délirer. Oh, je reviens juste de la plaine d'Osmose. J'ai les pieds en compote. Il y a un village Garif à l'ouest de la plaine, mais faites attention si vous allez là-bas. Les monstres de cette région sont implacables. En quittant les plaines de Giza par le sud, on débouche sur les plaines d'Osmose. Sortez du village par ici et vous serez sur la bonne route. Ah bah il est là le monsieur. La bague, la précieuse bague est disparue, avalée, avalée par le Croaberos. Éliminez-le pour moi. Ok. La bague, sa bague, trouvez-la, ramenez-la ici. Le monstre près du pont. Regain. Très bien, j'ai un sort en plus. Ok, du coup, je vais
Alors je pense pas faire le... Le Croaveros du coup, mais on peut toujours regarder où est-ce qu'il se trouve. C'est lui. Bon, il se trouve sur la route. Donc on peut regarder. Si j'arrive pas à faire, je fuirai le combat. Tel un aventurier digne. En espérant que l'élémentaire soit plus là. Et là, bam! Évidemment. Oh, il y a un monstre là-bas. Avec des gros poils. Microcodile mis... les chiens là avec les longs poils. Pénélo, ouais, tu peux me soigner, ce serait sympa. De l'argent. Là. En vrai, j'aurais dû acheter des gambits. Genre le gambit, si l'ennemi est faible face au feu, si l'ennemi est faible face à machin et ça. Je pense que c'est des gambits que j'aurais pu acheter. Je sais pas s'ils étaient dispo en magasin, mais... Je suppose. Et ça m'aurait bien aidé sur H. Parce que là, par exemple, bon, j'aurais pu faire des... Une magie de feu sur lui. Ça c'est trop bien, les points d'exclamation. Là le coffre, je l'aurais pas vu sans ça. Ouais, j'ai pas de sort de terre et 2000 PV, c'est beaucoup quand même. Ils sont vulnérables face à l'eau. Oh, nice. Et là, bam. Bah, qu'est-ce que ça avait, ça aurait été si... Si elle avait eu des balles différentes. Bon, les poissons, c'est pas censé voler, c'est censé être dans l'eau, mais bon. On va faire semblant de rien. Donc j'aille par la droite. Y'a rien à gauche. Non. À part un piège nul. Je vais m'éloigner de l'eau. Pas de la côte. Pour éviter les tortues. Des grenouilles, des crapauds, des trucs. Est-ce que j'irai pas par là juste pour découvrir la zone ? Savoir qu'est-ce qui est relié à ce truc. Comme ça, je l'aurai sur ma map. Ça pourrait être pratique dans un futur proche ou lointain. Ok. Très bien. Donc là, par exemple, si j'arrive par le désert de l'ouest, actuellement, ce que j'aurais fait, c'est revenir à Rabanas, puis aller au sud. Alors que là, finalement, il y a un raccourci. Queue de phénix. Est-ce que c'est censé me mettre en garde du... par rapport à l'ennemi, là, de la chasse? Il est censé être sur la gauche. Ah ben, il est là. Le Croaveros.
C'est une grenouille. Du coup, il est peut-être aussi sensible face au feu comme les autres. Ah, il a regain, c'est chiant ça. Du coup, j'ai pas vu. Elle a pas lancé le feu. Aïe. Allez, Pénélope, tu tapes, voilà. Et derrière, tu lances un soin sur Bash qui va prendre cher. Voilà. Ok, le sort de feu c'est fait. C'est pas ouf. Clairement pas ouf. Qu'elle spamme la magie. Qu'elle spamme les soins. Et pourquoi pas avoir l'appui de H là-dessus. Ça va, là en vrai ça va pour l'instant. Là ça va plus. Ouais, Pénélo elle va spam la magie. J'ai bouclier. Ah non, j'ai pas bouclier. Alors attendez. Si, il a bouclier. Ah, c'est marrant, je vois pas les passifs. Enfin, je vois pas qu'il a bouclier. Ça fait mal, ça fait mal. Et là, pourquoi pas lancer l'impulsion, parce que je sens que ça va être compliqué. Niveau 2. Ah, j'ai toujours trouvé trop stylé ce truc. Ok. Faudrait que je teste un sort de foudre en vrai. I must endure. I must endure. I got it. Vite. Non. Bon, pas ouf. Calcination du coup. On a vu mieux tout à l'heure. Mais elle a déjà perdu pas mal de vie. Donc on est un peu content. Ouh, il enchaîne les coups là. Ouais, en vrai, il essaye de lui faire foudre. Qu'est-ce que ça fait? 4 coups, c'est pas mal. Oh, la parade. Exacerbation. Putain, elle enchaîne les coups. Elle est folle. Et du coup, j'ai pas vu, putain, j'ai pas fait gaffe. Foudre, est-ce que c'était bien ou pas? Mais d'où il esquive lui? 69, ok, c'est naze. Très naze. Aïe. Vraiment Pénélo bourre la magie, voire même fait un soin 2. H fait de la magie parce que t'es mage hein, à la base. Ça marche bien. Hein. Elle charge assez vite sa magie donc.
Vas-y, Pénélope attaque, voilà, parfait. Et derrière, tu fais un soin. Ah, tu tapes, enfin, tu fais déjà ta magie. Et en vrai, ça se passe bien. Je pensais que ça serait plus galère. Pénélo soigne. Toi aussi, soigne un coup pour compenser. Ah, fais chier, trop tard. Soin 2 sur Bash, Bash qu'on reprend immédiatement et qui va lancer une attaque. Ah, ouais, elle est morte, putain, fais chier. Que de Phoenix Rapidos. J'ai pas de compétence, du premier soin, bon, on s'en fout. Non, faut pas qu'elle fasse ça. Elle. Non, c'est bon. Mais arrête de taper. Veux pas. Tape pas Pénélo. Je suis devant. Pénélo, soigne-toi. Mais non, mais. Pourquoi il emmerde Pénélo? Eh, mais je peux le purger. Voilà, Pénélo. Fais un soin 2 sur toi, comme ça tu vas soigner tout le monde au cas où. Et toi, après ton truc de purge, tu vas faire du feu. Bon, c'est moi qui tape. Non! Tu arrêtes. Ah, mais je sais pas comment faire pour reprendre l'aggro, moi. Laisse ma mage. C'est bon. Bulle, je sais pas ce que c'est, bulle. 1800, ouais, yes, ok, super. Nécrose. Ah oui, ok, c'était un double kill. Super. Pénélo est morte, ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Les autres, ils vont finir le boulot. Ils ok. J'ai juste envie de faire un truc, c'est que chacun lance une queue de phénix, comme ça ils vont pouvoir avoir peut-être l'XP, je sais pas comment ça marche. Ash et Fran. Faire une queue de phénix sur Pénélo. Voilà, tout le monde a fait ça. Et derrière le mist, impulsion. Les nouvelles impulsions. Allez, allez, go. Et là, il y a moyen qu'il meure. Les nouvelles impulsions, je crois qu'il n'y a que Van qui en a une. Please. My regards. Ah, il devient vénère là, le mob. Dès qu'ils ont plus beaucoup de vie, j'ai l'impression. Vite, vite. Bon. Mais ça suffit parce qu'il a plus de protection, il a plus beaucoup de vie, c'est parfait. C'était pas prévu de se faire la chasse directe. Il m'est tombé dessus, littéralement. Je tiens à m'excuser auprès de toute la commu. Pénélo. Je vais faire un soin d'eux. Bon bah du coup je vais retourner au village. Hein.
Je lui rendre sa bague. J'aurai des petits cadeaux. Quoique non, pas besoin d'aller en mode fuite. S'il y a des ennemis, je les défonce. Aïe. Pourquoi elle chope l'aggro? C'est chiant ça. C'est insupportable, c'est une putain de mage, elle est pas faite pour tanker. Exécution sommaire quand même. Oh, je peux. Attendez, je vais tricher, je vais l'entamer de loin. Ça marche pas? Je peux pas lancer le sort d'ici? Nul. Ouais, pas ouf pour l'instant la mage. Hein. Je veux pas dire, hein, mais autant de dommages avec son bâton qu'avec un sort où l'ennemi est vulnérable à cet élément. Oh le cul. Alors que Bash level up, enfin. Ok. On est content. Petit heal. Je vais sauvegarder après avoir rendu la quête. C'est la bague. Je l'ai enfin retrouvée. Pourquoi il parle en séparé comme ça? Le croix Aberos, vous l'avez vaincu? Oui. Oh, un sceptre. Et de l'argent. Je vous en prie, la bague du crapaud. Apportez-la, mon aimé. Je faiblis, j'ai froid, si froid. Quoi? Mais c'est qui ton aimé? Elle devrait être ici, tout près, je la sens. Ah, ça doit être en période de jour. Et lui, c'est un fantôme. J'en suis sûr. Arthur. Ah bah voilà, Radmar est pile poil. Pran. Vous voulez faire quoi avec elle? Elle est où sa deuxième impulsion? Bah. Ah, elle est là. Non, elle coûte 50. Non, non, elle coûte 75. Oh, c'est bien là. Oh, c'est loin. Et avec l'autre job. Bonne soirée, Sacha. Serbe des vents. Re-serbe de vent. Où est le truc à 75, bordel de merde? Je vais le trouver. Là, serbe de vent. Et en plus, je débloque tout plein de magie noire. Allez, c'est parti. Sap mental. Réduit la défense magique. Oh,
Oui, c'est vrai, ça, les techniques comme ça, c'est pratique. Réduit la défense, réduit la... Ouais. Mais ça peut être pratique aussi de lui débloquer les permis d'armure. Armure lourde, j'entends. Bonus magie. Et pas un délire avec la consommation. Ah bah non. Vu que là c'est des trucs de... Plus de guerrier, on va dire. Ah mais c'est ça qu'il faut que je le débloque avec elle. Putain. Vraiment chiant de pas pouvoir mettre des points, des trucs pour dire ben ça c'est ce que je veux débloquer après. Oula. Lui on va pas l'emmerder. Hein. On peut lancer foudre 3. Autant vous dire que je suis pas chaud. J'ai déjà pas les sorts 2, donc les sorts 3. Le petit coffre qui repop avec forcément moins d'argent, mais de l'argent quand même. Je vais arrêter de faire ça. Promis. Droite. Oh. Un mec. Un chasseur Garif. Je peux le buter si je veux. On va peut-être éviter. Hein. Ouais, on va complètement éviter. Il a l'air chaud de ouf. Salut. Après, en vrai. Oh non, il tape à 600. Quand je vois la vie de H et de Pénélo, je me dis non. Non, non, non. Mauvaise idée. On va pas grid. Que de phénix, ça fait plaisir. Alors c'est pas par là que je dois aller. C'est par là. Alors c'est pas par là. Toi, fais de la magie, tu es mage. Ça sert à quelque chose. Attention, bam. Et là, bam. Oh oui, c'est vrai, la magie, ça... Ça garde le sommeil. Elle a tapé forcément. Parfait. Et il y avait que dalle. À part un piège. Et il est résistant celui-là. J'ai pas regardé, mais tout le monde est niveau 16 là, ouais. Un petit soin. J'accepte. Et là, j'ai techniquement 13 minutes.
grand max pour trouver un point de sauvegarde. La plaine d'osmose. D'osmose. D'osmone. Putain. Quel enfer. Un lapin. C'est quoi cette merde? Oh, un swap color, le premier. Sort de glace. Faut pas du bien, mais ça se passe. Alors là, je peux tanker, mais je peux pas taper. Malheureusement. Vulnérable à la terre. J'ai pas ça, moi. Bon, je peux peut-être l'endormir. Je la reconnais. Je vais juste tanker. Mais H. Sois pas débile. T'as de la magie. Donc l'autre, elle tire au fusil. Elle est vraiment en mode chasseuse, hein, Pénélo. Parfait. Bon, pas évident, forcément. Ça pour rien en plus, je suppose. À part un piège. Vous noterez la disparition du deuxième mob volant. Mais... des choses qui arrivent. Oula, ils sont deux. La glace. Boum! Et regardez-moi ça, il fonce vers la mage. Insupportable. Mais arrêtez! Pourquoi c'est elle qui a l'aggro? Eh, hey, forcément que ça ne va pas. Eh oh! C'est moi qui te tape. C'est moi qui tape. Bonjour. Ah voilà. Putain mais... je vais péter un plomb. Comment marche l'aggro dans le jeu? Il faut que je sache. Je regarderai sur internet comment ça marche. Parce que là c'est pas possible. Les ennemis qui foncent sur la backlane... ça va pas le faire. Moi, mes mages, ils doivent être en sécu. C'est quoi ça comme élément? La lumière? Je sais pas. Faire un disque. Ouch. Ouch. En vrai, Pénélo, tu peux faire un soin de... sur H. Ça fera plaisir à tout le monde. En plus, il n'y a rien là-bas. Oula, alors ça a l'air d'être un sacré dédale. Bon, là c'était plus simple déjà.
Ah mais les mobs qui pop comme ça de nulle part, vraiment. Calmez-vous. D'où c'est les legit. La glace sur lui. Et Jacqueline qui va faire un petit soin parce que je vais perdre de la vie là à foncer comme un Google. Et voilà. Parfait. Une masse de bronze. Très bien. Regardez-moi ça, dès qu'il y a de la magie, boum, il fonce vers... Ce qui est pas pratique vu que c'est une mage. Un baiser de princesse. Le village des griffes est au sud des plaines de Giza. Est-ce que c'est en bas aussi? Le nombre de... Oh oh. Et ça va pas bien se passer, mais c'est pas grave. H qui prend la sauce gratuitement. Again. Penelo. Est-ce que tu pourrais pas faire un soin de... Bosh. Ok, un de moins. Et arrêtez. Bande d'énergie humaine. Ouais, je suis un peu violent, ouais. Voilà, parfait. Baiser de prince. Allez, j'espère que c'est le village en question. Les grottes de Zertina. Ah. Son niveau 37. Je crois pas qu'on est au bon endroit. Je pense que... Ouais. Je pense qu'il y a un léger souci. Ok, c'est bon. Je suis passé sans rien aggro. De l'argent, du coup faut que j'aille où? Soit tout à droite, soit remonter, mais du coup c'est pas tout au sud. Je suis tout au sud. Vraiment. Voilà. C'est ça qu'on veut voir. Que Bash se fasse taper. Ah, ça descend par là. J'ai trouvé la route. Ah, sans carte, c'est un peu chaud. Glace. Mais non. Mais tu me tapais, c'était bien. Tu vas où? Double level up.
Tout le monde est niveau 17, parfait. On va pouvoir changer. C'est bon. C'est bon. On part sûr. Alors, est-ce que je récupère de la vie en tapant? Pas du tout. Du coup, l'épée sanguine n'est pas du vol, n'a pas du vol de vie. Bon, faut que je regarde. Enfin, peut-être que c'est pas affiché. J'ai 634 PV. Et j'en ai toujours 634. Bon, je sais pas. Je pensais que. Je pensais mal. Oh! Oh! Double coffre! Ok. Ah non! Ah, pop, pop, pop. On a dit au sud. Le sud, c'est par là. Aïe aïe aïe, la VOD qui risque de durer trop longtemps. C'est quoi, je me mets en mode fuite et je cours. Ça me paraît être un bon plan. Faut juste que je sois soigné un petit coup. Oh, des chocobos. On va l'aider, ça fera free XP ça. Yes, merci hein, monsieur. En vrai, je lui ai volé. Ça me rappelle des trucs, les chocobos là. On voit pas. Ok, là ça dort. Non, non, chut. Tant que ça dort, on n'embête pas. Oui, il y en a un qui dort pas, mais. C'est bon, c'est le village. Il me reste une minute. Techniquement. J'y crois à mort. Du coup, c'est là d'où viennent les personnes. Enfin, les Garif, du coup, ceux qu'on a croisés plusieurs fois. Je fonce au point de sauvegarde, je vous dis au revoir, les gens. Des bisous. On n'a pas tant avancé que ça. On a vu qu'il y avait les chasses qui ont pris pas mal de temps, mais on a quand même un petit peu avancé, et ça, c'était cool. Du coup, des bisous. À demain pour la suite. Ciao, ciao.